Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle séance. Je vous propose d'apaiser, de mettre à distance, pourquoi pas lâcher prise, avec certaines émotions difficiles et des ressentis douloureux. Vous allez pouvoir parcourir cette séance et à tout moment, bien sûr, revenir dessus pour que les choses puissent s'intégrer, prendre le temps de les digérer et redécouvrir à chaque fois ce qui vient changer encore un peu plus en vous. Et pour les personnes désireuses d'aller encore un peu plus loin dans cet apprentissage et cette découverte, je vous propose des formations. Pour vous, dans votre pratique privée ou parce que vous êtes un professionnel de la santé et du bien-être, vous allez pouvoir accéder à une formation en hypnose, en auto-hypnose ou en EFT qui se veulent courtes, condensées et concrètes pour que vous puissiez rapidement et facilement intégrer cet outil et l'utiliser dans votre quotidien. Pour cela, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur le site qui est en description de la vidéo. Vous allez avoir tous les renseignements et pourquoi pas m'appeler pour échanger à ce sujet. À bientôt. Je vous invite à prendre place confortablement en position assise ou allongée. Prendre quelques inspirations, expirations. Juste pour prendre ce temps pour se poser. Poser ses pensées. Poser ses émotions. Et simplement poser son souffle. Quelques respirations. Et je vais vous demander maintenant simplement de serrer le poing de la main droite ou de la main gauche, peut-être les deux si vous le souhaitez. En serrant le poing, vous allez prendre une inspiration et simplement orienter toutes vos pensées dans l'ici et le maintenant. Et lorsque vous expirerez, vous relâcherez le poing en imaginant peut-être déjà un ailleurs, quelque chose de différent, à travers lequel vous allez voyager aujourd'hui. Et vous inspirez et vous serrez les poings à votre rythme, en ressentant tout ce qui se passe dans cette pression que vous exercez, votre main, dans votre avant-bras, et vous relâchez en accueillant là aussi des sensations différentes, des pensées peut-être différentes. Une fois encore, une inspiration et vous contractez le poing, ressentez le poids de votre corps, confortablement installé. Vous avez peut-être encore les yeux ouverts, à moins que vous les ayez fermés. Simplement observez, d'une manière ou d'une autre, l'ambiance particulière autour de vous, à l'endroit où vous êtes. Et lorsque vous allez desserrer le poing et expirer, laissez une partie de vous vous emmener quelque part ailleurs. Comme si vos pensées devenaient plus légères. Alors qu'une autre partie de vous, plus lourde, plus pesante peut-être, plus fatiguée, pouvait s'enfoncer dans votre fauteuil. Se déposer, prendre place. Tranquillement. Très bien. Et vous pouvez encore reproduire quelquefois cet exercice en inspirant et en expirant, vous laissant encore un peu plus transporter quelque part. Mmh.
un endroit où la légèreté et le calme vous appellent, vous accueillent. Et pendant que tout cela se fait, que vous laissez faire, quelque chose pourrait se mettre en place dans votre esprit comme une attente. Une attente particulière qui pourrait vous amener quelque chose d'utile pour vous. Et vous entendez ma voix et vous entrez de plus en plus en contact avec des sensations internes apaisantes. Et en hypnose, je vous le rappelle, il n'y a rien besoin de faire, rien besoin de penser, de dire, simplement de laisser faire. Et faire confiance à ces processus hypnotiques, à ces processus inconscients, et continuer simplement à entendre ma voix. Et votre esprit inconscient peut prendre un peu plus de place, comme si vous pouviez lui transmettre les rênes de cette promenade. Et je me demande si vous préféreriez rentrer dans cet état d'hypnose légère, moyenne ou profonde. Quelle que soit la profondeur de la transe, vous pouvez le faire à votre manière et découvrir quelle sera votre manière de vivre ce voyage intérieur qui vous amènera vers plus de légèreté, d'apaisement, de lâcher prise. Quelles que soient les situations rencontrées, les difficultés éprouvées, vous allez vous rapprocher de plus en plus de cet espace profond à l'intérieur de vous qui va vous donner accès à des ressources, à une énergie nouvelle. Et vous pouvez prendre le temps d'une montre et tout le temps du monde pour laisser le temps à ces mots qui parcourent vos oreilles, entrent et infusent tel un sachet de thé. Laissez chaque mot, chaque phrase parcourir le chemin qu'ils ont besoin de faire à l'intérieur de vous. Déposer des informations, nettoyer certaines émotions, certaines pensées. Et à tout moment, je vous le rappelle, vous pouvez décider de modifier chacun de mes mots, chacune de mes phrases, pour en faire votre propre réalité intérieure. Et pendant que vous accueillez ces paroles, une partie de vous est déjà en chemin pour expérimenter à un autre niveau comment les choses pourraient prendre place en vous différemment. Comment certaines sensations difficiles, douloureuses, comment certaines émotions pénibles, récurrentes, comment certaines pensées intrusives et répétitives pourraient se modifier, pourraient se transformer pour vous libérer et sortir
peut-être d'un certain cercle vicieux. Tel un océan après la tempête, observez les vagues perdre en intensité, se faire de plus en plus petite et emporter par le courant, aller s'échouer au loin sur la côte. Tel un océan après la tempête, observez comment les vagues émotionnelles s'apaisent peu à peu, toujours en mouvement, mais plus lente, plus régulière, jusqu'à aller elles aussi toucher les bords de la rive. Les flots de pensées que vous avez sur vous-même ou sur les autres, observez, telles les vagues après la tempête. Puis les vagues de douleur, de souffrance, de fatigue. Accompagnez-les du regard, apercevez-les au loin s'effacer. Tel un océan après la tempête, observez les vagues de colère, de tristesse. Se laisser emporter malgré elle par ce courant régulier. Les vagues de doute, de honte, emportées au loin, tranquillement. Tel un océan après la tempête, les vagues de désarroi, de déception, d'injustice, finir leur chemin au loin sur la plage. Observez, ressentez ce calme particulier qui peut prendre place quelque part en vous. Et en même temps, cette tranquillité et ce silence presque assourdissant qui prend place après la tempête. Tel un océan, devenez l'observateur de tous ces mouvements de vie qu'il y a en vous. Portez votre attention à cette partie profonde en vous, le fond de l'océan, là où tout est calme, silencieux, où tout peut se poser, se déposer tranquillement. Pendant que les vagues à la surface font ce qu'elles ont à faire là-haut, et dans cet endroit profondément ancré en vous. Un endroit calme et sécurisant. Vous entrez de plus en plus en contact avec cette partie de vous
qui veut se libérer de vieilles mémoires. Se libérer de la peur. De la culpabilité. Qui veut peut-être aussi apaiser colère et tristesse. Cette partie de vous, porteuse d'expériences, d'émotions et de ressentis douloureux, désagréables, et qui ne veut plus se faire du souci pour le passé et le futur. Parce que la paix de l'esprit commence par nos propres pensées et que ce sont nos souvenirs de peur et de douleur qui nous rendent si vulnérables. Je vous invite à observer chaque pensée qui se présente à vous et à les laisser comme sortir de vous et se fragmenter, se déformer, se dissoudre dans cet océan. Puis, voir comme elle remonte à la surface pour être bercées elles aussi par les vagues continuelles de cet océan de vie. Puis, disparaître au loin. Et sans rien faire, juste laisser faire. Observer. Ressentez. Percevez comment à l'intérieur de vous, l'espace devient plus léger. Votre respiration devient plus ample. Plus fluide et un peu plus à chaque pensée qui se change et s'échange dans cet océan de mouvement, cet espace où le changement se fait calmement, où chaque chose est à sa place, où tout fait sens et reprend place. Et où de plus en plus vous vous rapprochez de l'essentiel. Bercez paisiblement et confortablement, allégé de ce qui n'est plus, apaisé de ce qui ne sera. En étant juste ici et maintenant. Très bien. Et à votre manière et à votre rythme, laissez venir à vous l'image d'un endroit sur terre, apaisant, agréable, ressourçant, peut-être sur la plage ou au bord d'une rivière, à moins que ce soit en haut d'une montagne ou dans le désert, et doucement. C'est comme si cette pensée vous enveloppait entièrement pour vous transporter là-bas. Dans
dans ce paysage ressourçant où tout ce que vous voyez, entendez, sentez, ressentez, vous allégez encore un peu plus. Laissez-vous porter au contact de cette ambiance particulière. Laissez-vous bercer par les couleurs, la lumière de ce lieu. Calmement, transporté par les sons et les mouvements tout autour de vous là-bas. Cette nouvelle énergie vous parcourt peu à peu. Du sommet de la tête jusqu'au bout de vos pieds. Déposant à son passage de nouvelles pensées. De nouveaux ressentis. Une nouvelle énergie. Et un peu plus à chaque respiration. Sentez ce qui change à l'intérieur de vous. Très bien. Et pendant qu'une partie de vous profite de cet état d'apaisement, j'aimerais que vous pensiez à un animal qui a selon vous toutes les qualités, les ressources, les valeurs peut-être, qui vous sont chers. Laissez-vous peut-être surprendre par ce que votre esprit inconscient pourrait faire apparaître. Prenez quelques instants pour accueillir cet animal. À moins que ce soit toute autre chose de symbolique. Et si vous le souhaitez, pour mieux vous relier à son énergie, imaginez-vous en train de fusionner avec lui et devenir cet animal. Entrez dans sa peau, voyez avec ses yeux, sentez avec son odorat, ressentez avec ses cinq sens. Redécouvrez alors votre manière de vous sentir. Votre manière de voir le monde autour de vous. Votre façon de vous mouvoir. De penser peut-être. Prenez le temps d'expérimenter et d'explorer vos nouvelles ressources au plus proche de vos valeurs. Et vous avez le temps d'une montre et tout le temps du monde
pour vivre cette expérience au plus près de ce qui vous anime, au plus profond de vous. Expérimentez, vivez-le de l'intérieur. Autorisez-vous à voir les choses sous un autre angle, à avoir de nouvelles perceptions des choses, simplement accueillez cette expérience. Très bien, et laissez toutes les sensations, les pensées, les ressentis agréables prendre place en vous, dans chacune de vos cellules. De nouvelles mémoires prennent place et s'intègrent, vous allégeant avec ce renouveau, créant de nouvelles portes du possible, où vos pensées, vos paroles et vos actions seront guidées par ces nouvelles ressources et cette nouvelle énergie. Un peu plus à chaque souffle, vous contactez de nouvelles sensations qui viennent à leur tour créer en vous de nouvelles perceptions. Et puis, comme lorsque l'on sort d'un rêve, paisible, calme, avec ou pas quelques souvenirs, vous revenez peu à peu, ici et maintenant, dans l'endroit où vous êtes actuellement. Vous entendez ma voix qui se modifie et vous percevez davantage la luminosité autour de vous, peut-être des bruits qui vous sont plus familiers. Vous pouvez bâiller, vous étirer, à votre manière, revenir tranquillement ici et maintenant, présent à vous-même pour cette fin de séance. Revenez à votre rythme. Bien sûr, je vous invite à renouveler l'expérience pour voir comment est-ce que dans les prochains jours, peut-être, des choses pourraient encore se modifier et se transformer, se libérer à l'intérieur de vous. Je terminerai cette séance avec un petit clin d'œil bienveillant en vous rappelant qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. À bientôt.